Quel est votre nom? Je m'appelle Ousmane Kaba. Vous avez quel âge? 58 ans. Où vous êtes né? À Conakry. Quelle est votre profession? Militaire. Où vous êtes domicilié? L'Ansanaya Barrage. Vous connaissez certainement ceux qui sont assis derrière, c'est-à-dire dans le box des accusés, et vous avez dû suivre les parties civiles qui se sont succédées à la barre de ce tribunal. Est-ce que vous connaissez certains ou vous les connaissez tous? Je connais certains. Dans quel groupe? Dans quel groupe? Le groupe des parties civiles ou des accusés? Des accusés. Est-ce qu'il y a, des liens de parenté entre vous non. et ceux-ci? Est-ce qu'il y a des liens d'alliance? Non. Est-ce qu'il y a des liens de subordination? Non. Aucun lien? Aucun lien. Entre vous et personne? Aucun dans ces lien personnes-là. Entre moi et personne. Alors, on va vous entendre comme témoin dans cette affaire. Le témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Et sachez également que le faux témoignage est un délit qui est prévu et puni par la loi. Sur ce, vous allez jurer de dire à la barre de ce tribunal, sans haine ni crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, levez votre main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Alors dites au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire concernant les événements du 28 septembre 2009. Merci, Monsieur le Président. Le 28 septembre 2009, j'étais à mon bureau, je ne suis pas sorti. Cela conformément aux instructions données lors d'une réunion la veille, le 27, qui consistait à caserner tous les militaires le 28 au camp, que personne ne devrait sortir. C'est ce que je peux dire. C'est tout? C'est tout. Vous vous limitez là où c'est tout ce que vous savez dans cette affaire? C'est tout ce que je sais dans cette affaire. Quel poste vous occupiez à l'époque? J'étais chef d'état-major de l'armée de terre. À la veille, d'abord, est-ce que vous étiez informé de la tenue de cette manifestation ou de ce meeting? Moi, je n'étais pas là. J'étais dans le voyage de l'abbé. Donc, je suis rentré le 27 soir. Je ne me rappelle pas la réunion qui s'est tenue, même, je n'ai pas assisté à cette réunion. Mais les commandants d'unité que je commandais ont assisté à la réunion et ils m'ont remonté les instructions de ce jour. Et qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui vous a remonté? Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette réunion? Qu'aucun militaire ne doit sortir le 28. Tous les militaires devraient rester au camp, leur poste. Seulement ça? C'est bon, seulement ils ont ce parlé vous a aussi dit. Du comportement lors de la réunion. Quand on a une réunion, ce n'est pas une institution. On parle aussi du comportement que doivent adopter les militaires. Aussi que la gendarmerie et la police, comme d'habitude, devraient s'occuper du maintien de l'ordre. Ce jour, vous avez appris ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé ce jour? Le 28? Oui.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bureau, j'ai entendu que les Bérets Rouges sont venus au stade qui a la débandade là-bas. Oui, après, il y a eu la débandade, c'est tout. Les informations que les radios donnent, qu'il y a eu des morts et des blessés. Mais comme je n'étais pas là-bas, je n'aime pas trop écouter les informations. C'est ce que je peux vous dire concernant ça, quoi. Il y a eu la débandade, les gens sont blessés, il y a eu des morts. Et après? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez rien suivi après? Non, je n'ai rien suivi après. Tout ce qui se disait, vous ne savez absolument rien. Je ne peux pas rentrer dans les détails en ce moment. Vous êtes là pour ça, vous êtes témoin. Hein? Je vous ai dit à l'entame, le témoin, s'il vous plaît, oui. Le témoin, c'est celui qui a vu. Je vous ai dit à l'entame. Oui. Et celui qui a entendu. C'est ça le témoin. Et je vous informe également que le témoin est obligé de parler. Il est obligé de déposer. Oui. C'est une obligation. Il doit pas retenir les informations. Il doit dire tout ce qu'il sait. C'est pourquoi je vous ai dit à l'entame de dire au tribunal tout ce que vous savez sur ce qui s'est passé ce jour, les jours d'après et avant, tout ce qui concerne cette affaire. C'est pourquoi je vous ai dit. J'ai entendu aussi qu'au BQG, des corps sont venus et des blessés. Au BQG, à l'infirmerie. Mais je n'ai pas vu. Et où vous étiez en ce moment, quand les corps sont venus? J'étais à mon bureau, je ne suis pas sorti. Pourquoi? Ouais. Hein? Pourquoi? Tout le monde était consigné, donc je devrais rester à mon poste. Ça, c'était au BQG, vous avez dit? Au camp Samori. C'était à l'intérieur, les corps sont venus à l'intérieur du corps, du camp. Je ne peux pas confirmer, j'ai appris que les corps sont venus au BQG. Tout ça, c'est des informations. Le BQG, c'est où? Le camp Samori. Voilà. Ah, le BQG, c'est le camp Samori. Donc, vous avez appris que les corps sont venus dans l'enceinte du camp Samori. Par les informations. Et en ce moment, vous étiez dans votre bureau. J'étais dans mon bureau. Qui a demandé à ce qu'on envoie ces corps dans le camp? Je ne sais pas. On vous a dit qu'est-ce qu'ils se sont rendus au stade? Les informations que j'ai reçues, que c'est les bérets rouges du régiment commando. Est-ce qu'ils étaient sous votre commandement? Non. Ils étaient sous le commandement de qui? Ils relevaient de la présidence, du président et du ministre de la Défense. Est-ce que vous étiez le chef d'état-major de l'armée de terre? Oui. Il ne relevait pas de vous. Il ne relevait pas de nous. Est-ce que vous avez appris pour les pillages? Non. Est-ce que vous avez appris pour le recrutement de Kalea? Oui, j'ai entendu qu'il y a des recrutements pour la garde présidentielle. C'est tout ce que je sais de ça. Mais je n'ai pas été associé à ce recrutement. Vous étiez le chef d'état-major. J'étais le chef d'état-major de l'armée de terre. Oui. Qui a procédé à ce recrutement? Je ne sais pas.
comment fonctionnait l'armée en ce moment? Je vous pose cette question parce que chef d'état-major de l'armée de terre, vous ne savez rien de l'armée. Comment fonctionnait l'armée? L'armée fonctionnait normalement parce que les unités qui relevaient de moi me rendaient compte et de leurs activités. Et je rendais compte aussi à mon chef d'état-major général. S'il y a des instructions qu'on me donnait, je répercutais ces instructions. Mais en ce qui concerne le recrutement, le chef d'état-major de l'armée de terre n'est pas chargé de recrutement. Vous avez dit quoi? En ce qui concerne le recrutement, le chef d'état-major de l'armée de terre n'est pas chargé de recrutement. La décision du recrutement provient du président de la République en général ou du ministre de la Défense. C'est eux qui décident s'il faut recruter ou pas. Maintenant, c'est eux qui décident aussi à qui confier cette tâche. Donc, ils ne sont pas obligés de dire au chef d'état-major, on va faire un recrutement et autre là. Mais est-ce que, en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, quand il y a le recrutement, vous êtes au moins informé, même si ce n'est pas vous qui êtes chargé, mais vous êtes au moins informé? En principe, on doit informer, le recrutement doit être, les chefs militaires doivent être informés. Ça, c'est ce qui est normal. Mais pour ce recrutement-là, je n'ai pas été informé. Et vous ne savez pas qui a procédé au recrutement? Je ne sais pas qui a procédé au recrutement. Merci.